y a un truc là, j'ai jamais joué. Où est-ce que ça... Ah, bah, j'ai juste le... C'est bizarre, j'ai juste... Sur moi, je vois juste le truc qui est là. Alors donc, c'est idiot parce que... Il y a moyen de voir celui qui est après, ça commence à permettre de préparer un peu mieux, mais bon. Voilà, bon. Alors, voilà. La semaine dernière, on a fait la radioastronomie. Vous vous souvenez? Et puis, voilà, on a trouvé donc des objets dans les années 40-50, des objets, bon. L'apparence optique est celle d'une étoile, mais le spectre ne correspond à rien de connu, on appelle quasar, quasi-stellar radio sources. Alors on sait qui a appelé ça comme ça, et c'est un magnifique exemple de mot, de nom qui a été donné à des objets nouveaux, et qui scientifiquement ne marche pas du tout, et on a quand même gardé, comme les pulsars qui ne pulsent pas. Hein? Voilà, donc on a gardé ces mots-là, alors que... Quelquefois, on fait tout un tas de trucs pour savoir quel nom on doit donner à tel ou tel objet, et là, c'est l'habitude, c'est très très bizarre. Enfin, c'est comme ça. Bon, alors, voilà, Martin Schmidt en 63, donc le quasar 3C273, bon, c'est probablement le quasar le plus proche de chez nous. Alors, le problème, on ne sait pas, voilà l'histoire, on dit que, voilà, on ne sait pas, voilà, on ne sait pas du tout, on ne trouve pas les raies. On ne sait pas ce que c'est, qu'est-ce que ça peut bien être, et puis qu'un jour quelqu'un passe. À l'époque, vous savez, c'était des spectres. Je pense que c'était. Je pense que c'était des spectres plutôt, hein, j'imagine. Et quelqu'un passe en disant vous avez une belle série de balmères. Ah, bah oui, c'est vrai, mais le décalage était tel que. Bon, c'était très curieux. C'était un décalage, donc. Qu'on pense qui était vraiment tout à fait le plus important qu'on avait jamais vu et qui sortait complètement donc des limites. Donc on va voir un petit peu avant de voilà un petit peu de physique. Qu'est-ce qu'une inhibition? Qu'est-ce que la série de Balmer? Et la loi de Hubble-Lovett et la constante de Hubble. Voilà. Alors on a déjà vu comment on formait un spectre. Hein, voilà, on décompose la lumière du soleil. Bon, la lumière blanche, on a un spectre continu. Hein. On passe d'une couleur à une autre sans interruption dans la succession des couleurs. Bon, ici, quand on a un gaz excité lumineux, eh ben, on a voilà, simplement des raies d'émission. Bon, si vous avez quelquefois, on voit des petits spectros comme ça de poche, et à ce moment-là, on voit très bien, suivant les lampes, vous avez des lampes lumineuses ou des lampes avec un continu ou des lampes avec simplement des raies d'émission. C'est mieux pour les astronomes parce qu'il n'y a que certaines longueurs d'onde qui sont occupées. Voilà. Alors, bon, le spectre, la lumière émise, donc deux raies très fines atteintes en partie jaune du spectre. Bon, le spectre obtenu est discontinu, constitué d'un nombre limité de radiations. Alors, un gaz à basse pression à température élevée, donc un gaz très, très ténu, émet une lumière constituée d'un nombre. On obtient un spectre de raies d'émission. Voilà. Alors, avec une lumière blanche, on a un spectre de raies d'émission. Avec un gaz chauffé, on a des raies brillantes caractéristiques du gaz. Et si on fait les deux avec une lumière blanche et le gaz devant, mais sur le traversé par la lumière, on obtient des raies sombres en absorption. Et ça, c'est ce qui se passe dans la plupart des étoiles. Mais dans certains cas, voilà, par exemple, les étoiles qu'on appelle les P-Cygni, ce sont des étoiles, ça existe aussi pour les étoiles BE, ça existe pour un certain nombre d'étoiles doubles. L'étoile, la surface de l'étoile elle-même, la chromosphère de l'étoile, enfin c'est pas la chromosphère, c'est une chromosphère si c'est une étoile de type solaire, mais la surface de l'étoile émet des raies, hein, voilà, enfin, émet un continu et des raies, mais si autour de l'étoile il y a une enveloppe en gaz plus ténue, à ce moment-là, l'enveloppe fera des raies d'émission. Qui seront corrélées même longueur d'onde que les raies d'absorption, mais comme elles n'ont pas les mêmes caractéristiques physiques, en particulier pas forcément le même effet Doppler parce qu'elles n'auront pas les mêmes vitesses, il peut y avoir un décalage entre les raies d'émission et les raies d'absorption. Et par exemple, voilà un cas dans les étoiles P-Cygni. Ici, donc, on a une enveloppe, une coquille en expansion. Donc ici, l'étoile vous fera une raie d'absorption. Et la partie ici, le truc est en expansion. L'enveloppe donnera des raies d'émission. Donc, voilà. Et la partie qui est ici, comme c'est en expansion,
sera décalé par rapport à la rêve étoile, l'émission venant de l'étoile, l'émission venant de cette partie-là sera décalée, enfin, le rayonnement venant de cette partie-là sera décalé par rapport au rayonnement venant de l'étoile, et ça vous fera donc une raie d'absorption de ce côté-là, et puis une raie d'émission de l'autre côté, et ça, c'est exactement ce qu'on appelle un profil P-Cygni, parce que le cas le plus patent est dans l'étoile P-Cygni, P de la constellation du Cygne. Alors ça, donc, quand on commence à avoir des raies d'émission, quand on voit des raies d'émission pour les étoiles, on sait qu'il y a une région circumstellaire dans laquelle se forment les raies d'émission. Bon, alors voilà, donc les raies de Balmer, donc voilà les raies d'émission. Alors ça, je vous ai expliqué le cas d'une étoile, mais pour un objet qui n'est pas une étoile, bien que ça s'appelle quasi-stellar object, bon, ben, il y a forcément d'autres phénomènes physiques qui se passent. Alors, les raies de Balmer, ben, je suis désolée, vous n'avez pas grand-chose comme raies de Balmer ici, voilà, de l'hydrogène. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, l'atome d'hydrogène, je sais pas, vous savez ça ou tout ça, ou c'est pas la. Il faut que je raconte ce que c'est que la formation des raies d'hydrogène, la théorie quantique, un petit peu de quantique. Qu'est-ce que ça veut dire, votre silence total? Ça veut dire que oui, un petit peu de quantique, pour se réchauffer. Bon. Donc, voilà, on a un atome d'hydrogène, alors c'est très bien l'atome d'hydrogène, c'est le plus simple. C'est plus simple, enfin c'est comme ça, c'est très utile, puis c'est quand même l'élément le plus fréquent dans l'atmosphère. Hein. Alors j'ai vu un papier l'autre fois très intéressant justement, où ils expliquaient que les raies, que quand vous observez des raies dans une étoile, c'est parce qu'on vraiment on peut identifier le corps, mais si vous n'observez pas la raie, ça ne veut pas dire que le corps n'existe pas, ça veut dire que les conditions physiques pour que les raies se forment ne sont pas obtenues, réalisées. Par exemple, vous avez des étoiles où il n'y a pratiquement pas de raies d'hydrogène, mais il y a énormément d'hydrogène dans l'étoile, simplement la température, la pression, etc. ne correspondent pas aux conditions pour que les raies d'hydrogène se forment, hein, soient observées. Voilà, mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y en a pas. Hein. Voilà. Bon, donc, et puis quand vous observez, quand vous avez une étoile et que vous avez des raies, si vous arrivez à identifier une raie, un corps qui émet des raies, il faut que toutes les autres raies que vous identifiez correspondent aux mêmes conditions physiques, sinon il y a un problème. C'est possible, hein, mais ça peut être aussi qu'il y a une étoile double ou qu'il y a une autre chose, enfin voilà. Ça, c'est vraiment les choses qu'il faut garder en mémoire quand vous avez une étoile et que vous devez identifier les raies pour savoir les corps qui rayonnent dans l'étoile et savoir quelles sont les conditions physiques dans la partie de l'étoile qui rayonne, c'est-à-dire l'atmosphère de l'étoile, ce qu'on appelle l'atmosphère. Voilà, donc on revient à. Alors, ce qui est très bien dans l'astronomie, c'est que vous avez à la fois dans la même équation ce que vous pouvez imaginer de plus petit et ce que vous pouvez imaginer de plus grand. On a à la fois les atomes jusqu'à le plus petit, les particules élémentaires et puis en même temps dans tout l'univers. Ça, c'est toujours assez fascinant. Voilà, donc vous avez ici un noyau. Bon, c'est une représentation symbolique, hein, parce que c'est une représentation qu'on a dans la plus simple, et évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe, vraiment. Donc, on a un proton positif, charge positive, autour duquel gravite un électron, charge négative. Bon, l'électron peut se trouver à différents niveaux d'énergie parfaitement définis. Hein. Il aurait dû avoir un S à définir, hein, je suis désolé, là. Voilà. Alors, sous l'effet d'une excitation, il peut changer de niveau. S'il passe d'un niveau inférieur à un niveau supérieur, il prendra de l'énergie et donc on obtiendra d'absorption parce qu'il y aura moins de lumière puisque le photon aura besoin d'énergie pour passer d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. La formule d'énergie, donc c'est W égale H nu et vous transformez nu en lambda très facilement. Voilà. S'il passe d'un niveau supérieur à un niveau inférieur, il libère de l'énergie, à ce moment-là on observe une raie d'émission. Et la quantité d'énergie dont il a besoin pour passer d'un niveau inférieur à un niveau supérieur sera exactement égale à l'énergie qu'il libérera quand il passera d'un niveau supérieur à un niveau inférieur. Ça veut dire que la raie d'émission sera exactement à la même place que la raie d'absorption s'il n'y a pas d'effet Doppler. Voilà. Bon, alors toutes les raies correspondant à un même niveau inférieur sont dites de la même série. Voilà. Alors, ouais, une autre représentation, l'atome passe du niveau d'énergie EL, voilà, au niveau d'énergie inférieure EP en émettant un photon de fréquence NP et d'énergie EN moins P. Voilà, W égale H. Voilà, voilà les raies d'hydrogène. Alors, les niveaux des raies d'hydrogène sont appelés à partir des physiciens qui les ont identifiés. Ah oui, alors j'aurais pu vous mettre la formule parce qu'elle est
assez joli, c'est sur N2, etc. Enfin bon, voilà, mais c'est très bien, parce que c'est très chouette, parce qu'à partir de là, on a vraiment compris comment marchait la spectroscopie et tout ça. Voilà, alors à partir du niveau 1, ce sont les raies Riemann, du niveau 2, ce sont les raies Balmer, du niveau 3, les raies Pachen, niveau 4, 3, les raies Pachen, après c'est les raies Brackett et les raies Hopfeld. Alors en fait, les plus connues, ce sont les raies Balmer, parce qu'elles se passent, elles sont, elles, dans le visible. Voilà. Alors voilà les différents niveaux d'énergie. Hein. Voilà. Alors, voilà, donc les longueurs d'onde émises, ici c'est une autre représentation, vous voyez. Alors tu vois, c'est donc on a. Alors ici, celle-là s'appelle. Là, on a représenté, donc, puisque c'est celles qui sont forcément les plus utilisées, enfin les plus connues, disons, voilà. Alors ça c'est H alpha. Hein, on appelle comme ça. Hein. Donc du niveau 2 au niveau 3, ça s'appellera H alpha. Du niveau 2 au niveau 4, ça s'appellera H bêta. Après, ça s'appellera H delta. Et après, H epsilon. Et après, il y a toute la série qui continue. Hein. Alors donc, c'est 6563 dans le rouge. Ici, c'est 4861, 4341, 3970. Voilà. Bon. Alors, les raies suivantes. Alors évidemment, bon, ça c'était surtout quand on avait plein de photos, voilà. Voilà. Alors, les raies de Balmer, bon, voilà, je dis à partir du niveau 2 dans les plus dans le domaine visible, sont les plus observées et étudiées, forcément. Bon, Riemann est dans l'ultraviolet. Pachen, alors le Pachen, les dernières raies de Pachen sont dans le proche infrarouge, donc ça on peut les observer, mais on observe à peu près à partir de Pachen. Gaïa est branché sur. Il y a le triple infrarouge du calcium, et ça correspond à Pachen 12, Pachen 14. Enfin bon, on peut avoir la fin de la série de Pachen dans le proche infrarouge. Voilà. Puis après ça, donc Brackett et Pfund, ça c'est vraiment dans l'infrarouge plus lointain. Alors, ce qui se passe quand. Donc là, on a montré, si on revient en arrière, là, bon, les niveaux vont jusqu'à H-Epsilon ou plus les autres niveaux, mais alors après, les niveaux se resserrent. Les niveaux se resserrent et à la fin ils se resserrent tellement que crac, et ben l'atome, voilà, les niveaux se resserrent, l'électron, celui-là, il arrive dans le continu, voilà, donc à ce moment-là, il a quitté la trajectoire, si on peut dire l'environnement, le voisinage du noyau, et l'atome est ionisé. Voilà. Donc l'atome est ionisé, donc c'est à ce moment-là, on n'a plus un phénomène de transition, on a vraiment un phénomène d'ionisation. Bon, alors. Donc les distances des raies d'hydrogène entre elles, donc si on voit sur un spectre quand on a l'habitude, hein, on reconnaît bien qu'il y a toujours les mêmes positions, donc même si le spectre est décalé par effet Doppler, toutes les raies sont décalées de la même quantité, hein, et le schéma ne change pas. Alors par exemple pour les gens qui font des étoiles doubles, hein, on reconnaît bien une étoile double parce qu'on voit deux systèmes de raies et qui quand une étoile se rapproche de vous, les raies sont décalées vers le bleu, et quand l'autre étoile s'éloigne de vous, les raies sont décalées vers le rouge, et puis alors la demi-trajectoire suivante, eh bien ça sera l'inverse. Donc on voit des systèmes de raies qui sont un système de balance comme ça, qui sont tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Voilà. Ce qu'on appelle des étoiles douces spectroscopiques. Voilà. Alors voilà, bon, une autre image des systèmes de raies décalés. Voilà. Alors là, je reprends voilà, le spectre de 3C273 et puis le spectre de comparaison. Alors, on voit bien le décalage. Alors le comparaison, vous savez, on fait ça avec une lampe. Et puis on connaît parfaitement on connaît bien les longueurs d'onde des raies. Ça, c'est des raies qui ont vraiment été mesurées en laboratoire, ça a été vérifié, etc. Et là, on a donc les spectres de comparaison ont des positions extrêmement précises. Alors, la loi de Hubble-Lemaître, voilà, donc on sait que c'est très décalé. Loi de Hubble-Lemaître, vous avez fait ça la dernière fois aussi déjà, on va revoir un petit peu. Énoncée par Hubble-Lemaître en 27 et Hubble en 29, en 1929. Les galaxies s'éloignent de nous d'autant plus vite qu'elles sont plus lointaines. L'éloignement des nébuleuses extragalactiques est un effet cosmique dû à l'expansion de l'espace. C'est ce qu'on appelle quelquefois l'effet Doppler cosmologique, c'est-à-dire. L'effet Doppler qui n'est pas dû aux galaxies elles-mêmes, mais qui est dû à l'espace dans lequel baignent les galaxies. Voilà. Et donc, c'est l'expansion de l'univers. Hein, et en remontant dans le temps, donc on arrive à l'instant zéro de l'univers qui est le Big Bang. Et puis alors maintenant, donc, c'était la loi de Hubble jusqu'à le mois de novembre dernier où
les astronomes ont voté pour que ça s'appelle la loi de Hubble-Lemaître. Voilà. Alors voilà les lois décalage vers le rouge des galaxies lointaines entraînées par l'expansion de l'univers. On voit que plus elles sont lointaines, plus les rayons sont décalés. Voilà. Et alors, en reprenant les formules, on obtient la formule correspondant à la loi. Alors, je n'ai pas mis les formules correspondant à l'effet Doppler, hein, c'est pas. Voilà. Alors, on obtient donc V égale H0D. D, V étant la vitesse de l'astre observée décalée, et D étant la distance recherchée de l'astre. Et H0 est la constante de Hubble. Bon, alors, ça, donc la première détermination de la constante de Hubble approchée, bon, évidemment, forcément, parce qu'on connaissait quand même très peu de galaxies, c'était très difficile de faire des observations autrefois avec les instruments qu'on avait. Donc c'est Lemaître qui a donné la première formulation, après ça a été Hubble, puis après dans un article suivant, puis après Hubble, Lemaître, alors l'article de Lemaître était en français et il l'a traduit en anglais un peu plus tard, mais pour publier dans les Notices of the Royal Astronomical Society, mais il n'a pas retraduit cette partie-là. Alors pendant longtemps, les historiens se sont demandé quel est le traître qui a traduit l'article de Lemaître et qui n'a pas qu'à sauter cette partie-là. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Certains disent, oui, bon, ben oui, mais Hubble avait publié 2 ans avant son article, donc peut-être que Lemaître n'avait pas envie ou de bordestier, etc. Et une des raisons plus probables, c'est que, évidemment, Lemaître s'était basé sur un échantillon de galaxies, ce qui était connu à l'époque. Quelques années après, quand Hubble a publié son article, on connaissait plus de galaxies. Alors, ce qui est vraisemblable, c'est que Lemaître n'a pas voulu reproduire ce qu'il avait obtenu avec un échantillon de galaxies qui était déjà dépassé. On pense que c'est probablement la raison. Hein ? Parce que les gens ont dit oui, c'est Hubble qui a interdit de publier, mais il y a eu des recherches qui ont été faites dans les archives des observatoires, et on a trouvé des notes de Lemaître disant que c'est vraiment lui qui a traduit son article. Et ça paraît la raison la plus vraisemblable pourquoi la première détermination qu'il avait faite de la constante de Hubble, il ne l'a pas retraduite, probablement parce que il y avait une détermination meilleure, simplement parce qu'on connaissait plus de vitesse radiale de galaxies à l'époque, qui avait été faite par Hubble quelques temps après. Voilà, pas longtemps. Ça va très vite, hein, ça allait très vite à l'époque. Voilà. Bon, alors actuellement, on dit, bon, donc H0 égale 70 km par seconde moins 1 par mégaparsec. Alors, il y a eu des grands. Il y a quelques dizaines d'années, maintenant encore longtemps, il y avait beaucoup de discussions sur la constante de Hubble. Hein. Alors maintenant, donc c'est celle qui est acceptée actuellement. En fait, c'est pas exactement une constante, enfin, c'est la constante de Hubble actuelle, mais quand on observe dans les galaxies les plus lointaines un certain type de supernovae, bon, on sait que c'est les supernovas de type 1A, elles correspondent à certains types d'étoiles doubles, et quand ces étoiles doubles explosent en fin de vie, on sait qu'elles ont toujours la supernova aura toujours la même luminosité. Donc ça peut être ce type de supernova, de supernovae est un très très bon étalon, un très bon étalon pour estimer donc la vitesse, enfin le sonder l'univers. Hein. Et donc depuis 1998, on a remarqué quand on étudie donc justement ce type de supernovae dans différentes galaxies, on s'aperçoit qu'il y a une expansion, une accélération dans l'expansion de l'univers. Actuellement, aucune théorie ne rend parfaitement compte de ce phénomène. Et il y a certains. Alors, vous savez, on avait essayé des tas de théories, la théorie des cordes, etc. Bon, je ne vais pas en parler parce que c'est vraiment très, très difficile. Et certains disent il faut tout remettre à plat. Et ben, donc, ça, c'est. Voilà. Alors, donc, voilà, le spectre d'une galaxie. Voilà, 3 milliards d'années-lumière, décalage spectral de cette galaxie, et on arrive, voilà, à la vitesse d'éloignement et distance, 2,74 milliards d'années-lumière. Puis alors, bon, alors ça, on a donc identifié ce que c'était que les quasars, et alors on s'est rendu compte, peu à peu, que les quasars, qui sont apparemment des objets très différents, font partie d'une même classe que l'on baptise AGN, les noyaux actifs de galaxies, actives galactiques nucléaires, plus exactement, on peut dire aussi galaxies à noyaux actifs.
Alors, c'est ce qu'on appelle le modèle unifié, mais alors, avant d'en arriver là, ça a été très compliqué, il y a eu beaucoup d'études, et voilà, alors, moi j'ai eu un papier où il disait, mais c'est bizarre quand on a mis tellement longtemps, on se rend compte que finalement c'était un peu... Bon, alors, les caractéristiques d'observation des différentes de ces arts, qui ont donc des noms différents, dépendent à la fois bon, de la technique utilisée, ça dépend dans quelle longueur d'onde on les utilise, parce que c'est vraiment des objets extrêmement compliqués et qui sont complètement différents suivant que vous l'utilisez et les observez dans une longueur d'onde ou dans une autre. Alors il y a les quasars, les galaxies de Cepheid de type 1, les galaxies de Cepheid de type 2, et ça c'est souvent le type 1 et le type 2, c'est si elles ont des raies larges ou des raies étroites, et ça dépend vraiment, il y a les BL ACRT, il y a aussi les, comment ça s'appelle, les BL ACRT, ce qu'on appelle les blazars aussi quelquefois, voilà, puis il y a encore des tas d'objets très compliqués, beaucoup plus compliqués. Alors par exemple, voilà comment, et ça c'est des choses qu'on a découvertes peu à peu, voilà, en 1917, Slipher découvre la présence de raies d'émission très intense dans l'arrêt de la galaxie proche Messier 77. Eddie Noble détecte. Slipher, je crois que c'est lui qui a découvert que justement les raies. Je vérifie, hein, que les raies, je suis pas sûr. Donc, détecte des raies d'émission dans une autre galaxie proche, ainsi que voilà, dans d'autres. 4051, NGC 1068, 45. Voilà. Alors, première galaxie, radio-galaxie, en 1939 avec la radio-astronomie. On a vu la dernière fois. Voilà, alors, vous voyez, c'est un exemple. Je vais revoir d'autres de galaxies qui émettent en radio. Et l'aspect d'une galaxie en radio est complètement différent de l'aspect d'une galaxie dans le visible. Voilà. Alors après, donc, Cepheid publie le premier catalogue de galaxies spirales à noyaux très brillants, dont le spectre présente de fortes raies d'émission. Ça, c'est 1943. Mais donc, avant la découverte des quasars. Bon, alors, actuellement, on pense donc, voilà ce que ça peut donner, hein, le modèle qui est accepté actuellement. Donc, vous avez un disque de poussière, un tore de poussière. Au centre, vous avez un trou noir supermassif. Et un trou noir supermassif, alors c'est quelquefois vous l'avez dans les papiers, c'est écrit SMBH supermassif black hole. Et puis quelquefois on ne pense pas à le traduire, c'est pour ça que je vous écris bien. Alors on pense que l'énergie des objets vient de la matière attirée par un trou noir supermassif. Bon, avec des tas, la forme de rayonnement, il y a du rayonnement sacré, un synchrotron, il y a de la des propriétés, il y a des champs magnétiques, etc. Alors, donc les propriétés observées dépendent d'un quasar, et puis également donc des AGN, dépendent de nombreux facteurs, dont la masse du trou noir, le taux d'accrétion du gaz, l'orientation du disque d'accrétion relativement à l'observateur, la présence ou l'absence d'un jet, et le degré d'obscurcissement par le gaz et la poussière à l'intérieur de la galaxie. Voilà. Alors, si je reprends ce dessin-là, ils sont tous à peu près équivalents. Donc, on voit ici, si on observe dans certaines directions, on aura... des raies étroites. Si on observe dans d'autres directions, on aura des raies larges. Voilà, donc ici, on vous a montré ici, si vous observez dans cette direction-là, vous aurez ici donc des galaxies de Cepheid de type 2 ou des radiogalaxies. Ici, vous aurez donc, des galaxies de Cepheid de type 1 ou des quasars. Ici, donc la région qui émet les raies larges se trouve là, la région qui émet les raies étroites, voilà. Bon, le trou noir supermassif est au centre. Et de chaque côté, donc il y a un tore de poussière ici qui absorbe, il y a un disque d'accrétion qui se forme ici, et puis de chaque côté, vous avez des raies, des jets, voilà, qui sont perpendiculaires, on pense, voilà, perpendiculaires, donc au tore. Donc ça, c'est actuellement un modèle, c'est un peu simplifié, là, qui peut rendre compte de des différents objets. Une autre orientation. Alors là, il vous donne les. Bon, il dit bien que c'est vu d'artiste, évidemment, mais enfin, bon, c'est leur scrupule les honore. Voilà. Donc on voit là, il y a un peu moins de choses. Vous avez c'est intéressant parce que vous avez les chiffres, mais vous n'avez pas. L'autre était intéressant parce qu'ils expliquaient, suivant les différentes directions de l'observateur par rapport à l'objet, vous obtenez un objet ou un autre. Puis ça dépend aussi, je vous dis, suivant ce que vous utilisez comme longueur d'onde et tout ça.
Alors voilà donc l'anneau de gaz et foncière opaque. Voilà le, alors vous voyez, les bandes d'incertitude, ça c'est dans la direction du gel. Les quasars, c'est d'un peu plus loin. Voilà. Les radiogalaxies, c'est quand vous observez donc, voilà, dans la direction des disques d'accrétion. Il y a des nuages de gaz, il y a un autre gaz et de poussière opaque. Enfin, évidemment, c'est très très simplifié, hein, comme représentation. Voilà. Donc, je vous dis, l'important, vous avez un super. Alors, quand on observe. Voilà. Alors, ici, on a. Voilà, on reprend le quasar 3C273. Donc, quel est le quasar le plus connu, mais c'est le plus proche. Hein, et c'est le plus lumineux pour nous. Hein, le plus, voilà. Alors, sur l'image de droite, le centre du quasar a été caché par coronographie pour bloquer la lumière du quasar et pour distinguer la galaxie qui l'entoure. Alors là, on reconnaît parfaitement que c'est une vue de Hubble, parce que quand on a les raies comme ça, là, la structure en croix, c'est la diffraction des photons qui viennent de l'objet, de l'astre, sur les fils qui tiennent le miroir secondaire du télescope. Et là, on reconnaît tout à fait, donc c'est un peu la signature de Hubble, mais le problème, c'est que c'est un artefact et c'est un effet instrumental. C'est pas, évidemment, mais c'est ce qu'on a quand on veut avoir beaucoup de luminosité, à ce moment-là, beaucoup de photons, et à ce moment-là, évidemment, ça fait un effet de surexposition. Alors on voit donc là, ici, on voit la galaxie qui est entourée. La coronographie, donc c'est un système qui cache, c'est très très délicat à refaire, et c'est un système qui cache la lumière du quasar. C'est utilisé actuellement en particulier pour détecter des planètes. À l'origine, c'est une invention française qui a été faite par. Comment il s'appelait Bernard Liu. Voilà, Bernard Liu est mort en 52, au cours d'une éclipse à Khartoum. Et c'est lui qui a inventé le système, c'était pour faire des éclipses artificielles au Soleil pour pouvoir étudier la couronne du Soleil, et c'est pour ça que ça s'appelle la coronographie. Voilà. Et actuellement, ça s'est très utilisé pour cacher la lumière de l'étoile et détecter les planètes extrasolaires qui sont un million de fois moins lumineuses que la lumière de l'étoile. Donc c'est-à-dire que la technique de coronographie est extrêmement utile maintenant. Je dis qu'elle est très utilisée. Je ne sais pas par combien de personnes l'utilisent, parce que c'est très très délicat, il faut vraiment des instruments très spéciaux, et voilà. Mais c'est actuellement très utile. Et c'est une technique qui ne fera que se développer, parce qu'on en a vraiment besoin. Voilà. Bon, alors voilà les spectres optiques et l'UV du quasar. Alors vous avez les raies d'émission, voilà les raies de Balmer, de l'hydrogène. Voilà. Alors on voit bien le décalage, ils ont bien montré le décalage entre H-bêta qui est à 4861. Voilà. Voilà, donc on voit bien, on a à la fois des raies étroites, enfin des raies larges. Alors, voilà, maintenant je vais montrer ce que je n'avais pas montré la dernière fois quand j'ai vu le truc sur la radioastronomie. La structure de certaines galaxies, qu'on va voir comme ça, ou en optique comme on en a l'habitude, ou en radio. Vous allez voir que la radioastronomie est complètement indispensable. C'est vraiment, les caractéristiques de certains objets ne peuvent être déterminées qu'avec toutes les longueurs d'onde différentes. Voilà. Galaxie Centaure A, alors c'est une galaxie un peu mystérieuse, vous voyez, elle est vue par la tranche, on ne sait pas très bien quelle forme elle a, bon, on pense que c'est une spirale. Voilà, et beaucoup de matière absorbante. Alors ça, c'est ce qu'on voit en optique. C'est encore une vue de la bouche. Alors là, on a superposé la vue en optique et la vue en radio. Hein ? Et vous voyez ici, alors, donc, on voit les jets radio, la structure radio qui est perpendiculaire à la partie aplatie en optique de la galaxie, vous voyez ? Donc, ce qui fait que la connaissance qu'on a. Alors, toutes les galaxies ne sont pas émissives en radio, mais enfin, la connaissance qu'on a des galaxies qu'on n'a que la vue d'optique, vous voyez, est complètement incomplète. Alors, voilà donc la même galaxie étudiée. Alors, voilà, donc quand on étudie ici après, là, on a fait sur un schéma, on a tout repris. Et les nuages H1, c'est l'hydrogène qui n'est pas ionisé, H2, c'est l'hydrogène ionisé. C'est la notation des astronomes. Voilà, alors on voit qu'on a des quantités de choses.
il y a des nœuds en rayon X, et des filaments extérieurs, etc., des filaments internes. Voilà. Donc, on voit qu'on a donc une structure extrêmement compliquée, et on est obligé, donc, si on veut avoir. Enfin, il faut vraiment combiner les observations dans différentes longueurs d'onde pour essayer d'avoir une vue d'ensemble d'un objet aussi compliqué. Alors, en voilà une autre, forme axe A. Alors là, je crois qu'elle est pour tout. Alors voilà, c'est pareil. Bon, là, on voit pas le centre, la galaxie au centre, là, et perpendiculaire, et on a les nuages. Alors voilà la galaxie géante, voilà, le corps. Et puis les lobes qui sont donc de chaque côté de la galaxie. Vous voyez que c'est beaucoup, beaucoup plus grand que ce qu'on peut voir en optique. C'est tout à fait étonnant. Ça, c'est pour vous donner une idée. Bon, les objets sont très compliqués, on ne va pas faire tout un cours sur les objets, parce que... Voilà. Alors, donc, c'était pour vous montrer comme ils sont... bon, j'ai oublié un S à confirmer par 208, j'aurais pu mettre un S, enfin bon, j'ai fait ça un peu vite. Voilà. Donc, on a fait, évidemment, maintenant, on a détecté énormément de quasars, hein, le temps a passé, et on a plus de 200 000, alors QSO, ça veut dire quasi-stellar object, hein, de quasar, voilà, confirmé, plus d'un million détectés, qui attendent d'être confirmés par des types de spectroscopie. Alors, on a fait des grands surveys systématiques, donc généralement, quand on vous donne une image qui reprend tout l'ensemble de quasars, etc., bon, c'est suivant les différents surveys, voilà. Alors il y a beaucoup d'objets de recherche, voilà. Alors voilà ici donc ce qu'on peut avoir. Voilà. Mais alors on voit ici que plus. Alors là on a représenté dans l'espace, on peut dire, les quasars connus. Et ce qu'on voit, c'est que la densité dépend de la distance, des quasars. Hein. On voit que c'est ici qu'il y a le plus de quasars. Voilà. Hein. Et cette partie-là, dans l'espace, c'est lorsqu'on reçoit la lumière qui vient de cette partie-là, ça veut dire que la lumière a mis du temps à nous parvenir, donc c'était il y a longtemps. Voilà. Alors ici, on reprend donc, si on reprend sur un graphique qui, lui, cette fois, on l'étalonnera en fonction du temps, hein, on voit que le Big Bang, il y a à peu près 10 milliards d'années, donc pas très longtemps après le Big Bang, et on a observé que le plus ancien quasar observé, la lumière a été émise quand l'univers était vieux de seulement 690 millions d'années. Alors, donc, les quasars, si on revient, alors, donc là, ça correspond donc ça va quand même relativement près, hein, à une certaine époque. Et puis alors, qu'est-ce que c'est devenu après? Donc c'est un certain niveau d'évolution de l'univers. Et qu'est-ce que c'est devenu après? Alors il y a toutes sortes de schémas d'évolution. Est-ce que les quasars deviennent après des galaxies qu'on connaît, etc. Alors là, c'est un peu compliqué, donc je ne vais pas le faire, d'autant plus que actuellement sur l'évolution des galaxies, les choses vont très vite en ce moment. Hein. C'est pas du tout... Tant que pour l'évolution des galaxies, il y a le fait qu'il y a l'accrétion de différentes galaxies, ce qui n'était pas tenu en compte autrefois, et qui fait que ce qu'on savait de l'évolution des galaxies a tendance à changer assez vite en ce moment, donc là j'en parlerai pas pour pas dire de bêtises. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, je suis désolée, ça n'a pas duré très longtemps, mais... Est-ce qu'il y a des questions? Alors, les objets, les AGN, etc., bon, c'est des objets assez compliqués, hein, voilà, j'aurais pu en parler plus longtemps aussi, mais enfin, bon, c'est pas... J'ai pensé que c'était pas forcément facile à tout retenir, donc j'ai préféré vous expliquer un peu. Voilà. Alors, on voit l'importance de l'hydrogène. Il y a des questions? Non, ça va? Sont des galaxies, en effet, tous ces objets sont des galaxies. Du point de vue masse, c'est des galaxies, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lumineux qu'une galaxie, ouais. Beaucoup, beaucoup plus massif qu'une galaxie, c'est des
chose absolument énorme. Alors beaucoup de choses tombent, beaucoup de matière tombe dans le trou noir. Alors on essaie de savoir comment, qu'est-ce qui fait, quel est le phénomène qui fait que la matière tombe dans le trou noir. Et c'est aussi le fait que, c'est ça qui rayonne aussi, hein, les phénomènes, quand la matière tombe dans le trou noir, ça génère énormément d'énergie. Elle ne tombe pas directement, vous comprenez ? Ça génère énormément d'énergie. Il y a du rayonnement synchrotron et des choses comme ça qui sont un petit peu compliquées. Voilà. Et oui, les quasars, c'est. Alors, au début, c'est-à-dire qu'il y a aussi des variations, et on observe des variations rapides. Alors, les variations rapides, ça veut dire que ça ne peut être qu'un objet très petit parce que ça peut pas. C'est lié à la vitesse de la lumière qui n'est pas infinie. Quoi. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses très très concentrées, des parties qui peuvent être extrêmement concentrées. Enfin, les variations rapides, tout est relatif. En tout cas, il y a une chose qui est sûre et certaine, on ne peut pas voir le mouvement sur le ciel, ça c'est hors de question. Le mouvement propre, c'est hors de question, mais c'est beaucoup trop loin. Donc c'est tout, c'est des objets très massifs, très, très importants, qui sont, qui correspondent vraiment à quelque chose de très, très important dans l'univers, hein, dans la masse de l'univers. Si je comprends bien, c'est les quasars et les blazars sont la même chose. Le blazar, c'est la même chose, mais c'est juste un angle différent. Pour l'instant, on pense que oui. Voilà. On pense que oui. Alors le modèle. Alors évidemment, ça c'est pas fait. Ça c'est pas fait tout seul parce que vous avez vu que suivant les techniques qu'on utilise, vous avez vu combien l'objet apparaît différent. Hein, et suivant l'angle de visée, etc. Et on a mis un certain temps, mais là, je regardais une présentation et comment ça se fait qu'on ne s'est pas rendu compte plutôt que les quasars étaient les noyaux à galaxies actives qu'on avait déjà détectés, quoi. On avait déjà détecté qu'il y avait des trucs bizarres, hein. Enfin, des trucs bizarres qui étaient un peu plus compliqués que notre Voie lactée. Mais alors, bon, là, ils ont des trous noirs super massifs, mais on sait maintenant que les galaxies ont des trous noirs massifs au centre. La Voie lactée, on a un trou noir massif et je veux dire, il y a de plus en plus d'expériences qui le montrent. Et on voit même, c'est même extraordinaire, parce que d'une photo à l'autre, on voit les étoiles qui sont près du centre galactique, on arrive à avoir des photos, alors ça ne va pas se faire dans le visible, je pense qu'il faut une autre longueur d'onde. Et on voit des étoiles, les étoiles qui bougent. Hein, qui bougent, et ça veut dire qu'elles ont une vitesse extraordinaire, c'est-à-dire qu'elles sont attirées par quelque chose. Il y a un point d'accrétion de la gravité est extrêmement forte à cet endroit-là, un phénomène de gravitation extrêmement important et qui ne peut être expliqué que par un trou noir. Et ce qui fait qu'actuellement, c'est très, très sympa parce qu'il y a de plus en plus d'assemblées. Ça y est, j'ai vraiment la preuve qu'il y a un trou noir. Enfin, il y a de plus en plus de preuves qu'il y a vraiment un trou noir au centre de notre galaxie. Et puis alors, on prouve aussi on pense que toutes les galaxies, peut-être pas les galaxies naines, ça je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais pas, mais les galaxies comme les nôtres, comme la nôtre, ont un trou noir au centre, un trou noir massif. Alors bon, il y a les trous noirs, vous avez. Faut être scientifique, donc c'est pas complètement irréfutable, mais c'était, vous savez, une étoile double Sinus X1, et on avait remarqué, on a remarqué de temps en temps qu'il y avait un objet qui émettait un rayon X, et on a expliqué ça avec le fait que une étoile a évolué jusqu'au point et qui est devenu un trou noir, et la trajectoire de cette étoile double n'est pas circulaire. Donc de temps en temps, elles sont plus près l'une de l'autre. À ce moment-là, le trou noir arrache de la matière à l'autre étoile, et la matière, avant d'être absorbée par le trou noir, ça ne se fait pas simplement. Enfin bon, voilà, elle émet quelque chose, énormément d'énergie, et ça se fait en rayon X. Alors les rayons X, évidemment, ça ne peut se faire qu'avec des satellites. C'est les techniques pour. Maintenant je pense que ça se fait toujours comme ça. Je ne sais pas, mais à un moment, pour pouvoir observer en rayon X, vous avez dit par exemple qu'en radio, qui est une grande longueur d'onde, le miroir radio, c'est un grillage qui est transparent à nos yeux, parce qu'on voit dans le visible. Hein, donc en longueur d'onde plus courte, il est transparent, en longueur d'onde radio, il est opaque, mais alors à l'inverse, si vous. Une plaque du verre. En longueur d'onde visible, il est opaque, hein, mais en longueur d'onde en rayon X, il sera transparent.
Hein, donc c'est pas le meilleur moyen pour faire des observations. Alors la technique, c'est de faire donc de faire la structure rasante, de faire le rayonnement arrive de façon rasante, et à ce moment-là, par effet de perspective, si on peut dire, les atomes auront l'air plus collés les uns aux autres, vous voyez, moins séparés. Et à ce moment-là, le rayonnement X ne passera pas à travers. Et le miroir servira de miroir. Parce qu'on n'a pas trouvé un matériau opaque au rayon X, c'est pas facile. Voilà. Donc c'est cette technique-là qui est utilisée pour les... Moi, je ne sais pas si c'est toujours, mais à un moment, ça l'était. Je pense que c'est toujours ça. Non, c'est très, très... Bon, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment des techniques tout à fait extraordinaires pour... Justement, parce qu'on en a besoin, vous voyez, ces objets, ils sont tellement, tellement bizarres et ils sont tellement différents dans les différentes longueurs d'onde que... On a vraiment besoin d'utiliser dans toutes les longueurs d'onde. Et ben voilà, bon.